C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, c'est quoi ? 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 L'INSERM, qui va fêter l'année prochaine ses 50 ans, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le seul institut qui assure un continuum depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'à la recherche au lit du malade, ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Donc à la fois une recherche de base et une recherche clinique. On va depuis une recherche basée sur la biologie moléculaire ou la génétique jusqu'aux recherches en santé publique. Et on veut même aujourd'hui aller encore plus loin avec notamment des recherches en économie de la santé. On est totalement localisé dans les universités et les hôpitaux. On n'a pas de campus propre. Donc on est étroitement lié à l'université. Toutes nos unités sont mixtes, très souvent avec le CNRS aussi, parfois avec le CEA, avec l'INRA. Et je crois qu'on peut dire qu'on est là, au niveau européen, la plus grosse agence, comme on dit, de ce type.